bonjour à tous, nouvelle vidéo. Aujourd'hui, je suis à Villeneuve-la-Garenne pour un nouveau concept. Je vais demander à un habitant de la ville, à un acteur associatif ou même à un élu de me présenter sa ville naturellement. Donc je fais appel à vous, si vous aussi vous voulez présenter votre ville, envoyez-moi un petit DM sur Instagram avec grand grand plaisir. Et pour découvrir la ville de Villeneuve-la-Garenne, j'étais obligé de faire appel à un pote à moi que vous connaissez tous, Monsieur Bass. Ouais. C'est comment Bass? Ça t'a, je suis chaud. Voilà ça. Oh putain, c'est dingue. Oh putain, ça fait longtemps. C'est incre. On a la ville là. Là c'est incre. On a la ville, Villeneuve-la-Garenne. Ouais. Aujourd'hui je vais vous présenter, on va faire un petit tour. Mais c'est dommage, il pleut. Il fait... Hors vidéo, il m'a dit eh, franchement, Isma, c'est pas bien ce que tu me fais. Tu me fais présenter ma ville sous la pluie. Nan, nan. Ah, non, je pourrais non. pas montrer tout le potentiel. C'est vide, c'est vide. Bon. Villeneuve-la-Garenne, c'est une ville de 24 000 habitants. Exactement, entre Saint-Denis, Villeneuve, Saint-Ouen. On est un peu collé à Paris. T'habites au Caravelle, la cité des Caravelles. C'est exactement. Et de toute façon, on va faire un petit tour, je vais vous montrer. Et ce qui est dingue avec les Caravelles, c'est des grandes barres de bâtiments. De combien d'étages? 10 étages. Et vu d'en haut, à l'époque, ça représentait. Un 92. 92. Le 9 et le 2. Le 9 et le 2. Et là maintenant, ils ont détruit beaucoup de bâtiments. Ils ont barré les bâtiments, ouais. Pourquoi? Parce qu'ils étaient trop enfermés, la police pouvait pas rentrer dans la cité, du coup, c'était un peu. Voilà quoi. Qu'est-ce que t'as prévu pour moi aujourd'hui? Je voulais te présenter le parc que j'entraîne, mais tu connais. Comme il pleut, ça et tout, ça va être un peu mort. Ouais. Du coup, j'ai vu que t'as besoin d'une petite mise à jour, Ouais. Je t'ai mis chez mon coiffeur. Hein? C'est le coiffeur de la ville. Et après, on va dans le meilleur snack de Villeneuve-la-Garenne, d'après toi. D'après moi, c'est le meilleur snack du moment. Du coin. Meilleur snack, ouais. Du coin de la ville. En tout cas, pour moi, personnellement. Ouais. Ouais. Ça va? Ça va? Ça va? Tu as bien? La base. Donc, le coiffeur que tu me parlais. C'est lui, c'est lui. C'est bien lui, les docs. La coupe pour homme, c'est 9 euros. 9 euros, ouais. Et tu sais que moi, tous les coiffeurs où je veux maintenant, c'est du 17 balles, 18 balles. Ah ouais? Voilà, je pense ça, moi. Pour ça, c'est le meilleur coiffeur. C'est pour ça. C'est pour ça. Là, moi, sinon, on part sur un dégradé progressif. Tu fais teinture ou pas? Non, je fais pas de teinture. Non, ah, dommage. Un Bass, oh, une petite, hein, des petites mèches blondes, serait bien passé, non? Pour toi, c'est quel le meilleur grec? Ça. Pour moi, 129, ah. C'est le meilleur. Ouais, mais 129, c'est à Saint-Denis, hein, Mohsin. À Saint-Denis, y a pas de souci. Tu dépasses les bons, ça y est, c'est bon. T'es arrivé à Saint-Denis. Mais il est bon, parce qu'il est bon. Ouais. Y a pas mieux que lui. Voilà. Y a pas. Jean-Louis Mohsin m'a fini ma coupe. Aïe, 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 aïe. Bien. Tu valides ou pas? Voilà, je valide, elle est magnifique. 100%. Mais, allez, franchement, j'ai rajeuni, wesh. Magnifique. J'ai limite envie de faire des petites mèches blondes là. Hein. Et passe dans tous les coiffeurs de rebeu, de quand tu finis ta coupe, les gens ils disent quoi généralement? Ça te. Même si le mec il te connaît pas, il dit ça te. Merci beaucoup, moi. Comme tout, ouais. Ils ont parti en boucle pour payer. Ils ont parti en boucle pour payer. Voilà. Il m'a dit non. Voilà, merci beaucoup, merci en tout cas. Franchement, merci infiniment. Même au-delà même du coiffeur, c'est une très très belle personne. Ouais, Marcel, franchement, c'est une bombe. Il y a un truc que j'arrive pas chez les coiffeurs, et lui, ce qui est top, c'est qu'il a pas ce défaut là. C'est les coiffeurs qui fument la clope. Ah ouais. Tu vois, il vient, il te coupe la barbe, tu sens ses doigts, c'est. Tu vois ce que je veux dire? Alors que lui, il fume pas la clope, c'est-à-dire. Ouais, c'est carré. Sans bon, sans gel, ça sent. C'est fin. Tu as un bon gel en plus. Non, c'est bon, c'est bon. De la première, on est ensemble. C'est bon. Bah, CM2, il est là, tu vois, dans la ville. Depuis la classe de neige, bah, c'est bon. Père de famille. Il était bon à l'école, Basse. Ouais, t'es bon, t'es bon. Là, on va aller dans le meilleur grec de Villeneuve d'après toi. Exactement, le meilleur grec de Villeneuve. Ok, après ça? Après, je vais t'emmener manger un petit dessert. C'est des desserts de ouf, tu m'as dit, hein? Ouais, des desserts de fou. Restez branché. C'est dans la ville aussi, c'est toujours dans la ville. On sort pas de la ville. Oh, Isma, t'es vraiment une big star. Hein. Mais quand tu dis que je suis une big star, big par rapport. Non, big. Gros star, genre. Non, gros star. Non. Et bah, je me souviens qu'ici, au rez-de-chaussée, il y avait une association qui s'appelait ECD. Et en fait, c'était des gamins qui avaient, on va dire, 7, 8 de moyenne. Lorsqu'ils venaient dans cette association-là, ouais, ils finissaient avec 16 ou 17 de moyenne. Et c'est véridique. Et c'était quoi leur formule magique? C'était le gamin, on va dire, il avait un contrôle de géographie, ouais, le 15 sur l'Europe. Ouais. Et ben, du 11 jusqu'au 15, tous les jours, il a des contrôles blancs. Il est boosté sur ça. Exactement. Ok, je pensais. Mais vraiment, il y a des gens, il y a des mamans, etc. Ça a changé leur vie. C'est quoi ici, Basse? Ça, ce sont des métis à ça? Oui, c'est quoi, si les mamans elles viennent pour coudre, etc. Du tissage. Métissage. Non, Basse, t'es pas sérieux. Tata, tu connais Basse? Oui, je le connais à l'âge de 2 ans. Et mon fils, il le ramène pendant l'Aïd. Et pourtant, chez ma copine pour manger les merguez et les frites. Ah, il fait Samir, elle est partie chez de la famille. C'est mon fils qui l'a gardé. C'est vrai, c'est vrai. Tu vas aller tailler chez les gens, tu manges des merguez. Hein. Ça va, ça va. Il avait 2 ans. Moi, je l'ai connu quand on faisait les deux devoirs. Je te rappelle, il venait faire ses devoirs ici. Il était très, très sage. Ça, il n'y avait rien à dire. Hein. Et toi aussi tu connais Basse? Ah oui, je les connais bien. Ah oui, la ville et le mariage de mon fils. Mariage de mon fils. Oui,
Il est venu manger au mariage de Mohamed aussi. Ah tiens, merci beaucoup les tatas en tout cas. On l'a resté comme vous êtes. Bonne journée à vous, salam alaikum. Omaï là. Omaï, okay. C'est le maï. Et là, le snack où on va, Zozan, il se trouve devant Omaï. Devant le maï. Parfait. Le cramoué là, juste là. Nickel. Ah, c'est ok, c'est pour ça que on disait que c'était bien desservi. Exactement. Vineuf, parfait. Tu vois là, on est chez mon gars. Le Big Bass. Mon gars, ça. C'est quoi, tu vends tout ce qui est autour d'automobile? Pièces, diagnostic, recharge de clim, réparation, tout. Je peux te poser une question, la vérité. Dis-moi tout. Est-ce que les magasins comme toi en physique, elles sont pas trop du mal face à Oscaro, etc.? Non. Quand on va sur Oscaro, ils voient que c'est pas cher, mais que c'est de la mauvaise qualité. Mauvaise qualité. Ou que c'est pas la bonne pièce. C'est pas ce que t'allais dire, je crois. C'est de la merde. On est entre nous. C'est de la merde. Ils viennent vers Watt. Okay. Ils viennent vers Watt. Tu les arranges. Y a pas de problème. Donc, si vous cherchez des pièces, tout ça, vous êtes dans l'entour 2009. Ouais. Si ça se passe, pièces auto. Pièces auto. PLG. Pièces auto. Et les pièces, c'est pas de la. C'est pas de la merde. Vas-y, let's go, mon refasse. C'est un truc de ouf. Le chat, il bouge pas. Il a pas peur. Il a pas de collier, Bassin. Non, le collier, apparemment, elle a été abandonnée. Elle a été abandonnée? Ah ouais. Comment ça a été abandonnée? Comment tu sais qu'elle a été abandonnée? Parce que ça fait un an et demi qu'il est dehors, il traîne de tous les jours dehors. Ah ouais, il se pose comme moi. Hein? Même chez moi. Comment il rentre? Il rentre là, il se parle par le jardin, il rentre dans le jardin, il monte par la fenêtre. Ah ouais. Je peux voir dans ton salon un jour. Ouais. Moi j'ai un chat moi aussi. Ouais. Il rentre, il joue avec mon chat. Ah, avec ton chat, ok. Tu sais que moi c'est incompréhensible. Hey, t'as pris la responsabilité de prendre un chat, un chien. Tu t'es engagé, tu le gardes frère. Jusqu'au bout, voilà. C'était un bébé en fait. Ouais. Là nous sommes devant le fameux Zozan. On y est. On va se mettre. C'est quoi comme spécialité? Bah un kebab. On va aller voir demander au mec, il va nous expliquer, je pense que ce sera plus, hein. C'est mieux, parce que là tes explications. Ouais, parce que moi je prends tout en fait, ça. Salam alaikum. Comment tu vas? Comment ça va? Tranquillement? Ça se passe? Passe, on prend quoi? Moi je pars pour un sandwich au four, gratiné, etc. Moi je prends l'allemand. Ah, c'est un berliner, ouais. Un berliner, exactement. Ok. Oh, et il y a kefta mozza, c'est quoi concrètement? C'est viande hachée, ça fait maison. Ouais. On met du fromage mozzarella dedans, ça passe sur le grillade. Ah, à l'intérieur de la viande, il y a de la mozza? C'est ça. Ah ouais, tu peux mettre une petite assiette avec 2-3 boulettes de viande? Bien sûr. En plus, goût fumé, toi. C'est dingue, c'est dingue. C'est incre. Là, le frérot, il nous a ramené des cadeaux, c'est un truc de ouf. C'est quoi? C'est t-shirt. T-shirt quoi? Zozan. T-shirt Zozan. Mais attends, t'as l'autre taille? Non. Bien sûr. XL. XL. Moi, c'est S, mon ref, c'est pas grave. Bah, désolé, bah, la prochaine fois, je vais t'emmener ta M. Merci beaucoup, mon refrain. Ouais, ça fait vraiment plaisir. I love Zozan. Ça, c'est un tigre, elle est hala. Basse, on a reçu. Oh, regarde-moi ça, mon refrain. Kefta avec de la mozza à l'intérieur. Un kebab au four avec la mozza. Et toi, t'as pris ton petit berliner, ton petit allemand. Les keftas, elles sont super belles. Oh, y a le fromage qui pète là. Oh, ça me donne envie de ouf là. La maman tout à l'heure m'a fait rire. Hein. Tu t'es allé chez elle, tu manges des merguez. La dame qui t'a dit je mange des merguez chez elle. Depuis tout petit, elle m'a vu. Elle m'a vu grandir en fait. J'ai l'âge de 2 ans minimum, tu vois. Et même son mari qui est décédé, perd son âme, tu vois. Super gentil. Tu sais que je vais raconter un truc. Chaque fois que son mari nous voyait quand on était petit, il avait toujours des chewing-gums dans sa poche, des Hollywood, fraises. Tous les jours, il nous voyait, les enfants venaient, il nous donnait un chewing-gum. Tous les jours, tout le temps. Une fois, il n'y a pas de chewing-gum. Il y avait toujours des chewing-gums. Non. Commence par le berliner, mon frère. Après, moi, je vais manger le kebab au four et on finira par les kefta mozza. Vas-y, moi, attaque-toi ça. On est vraiment en Allemagne ici. Super bon. On est à Dublin. On est à Dublin. C'est Berlin. C'est pas Dublin. Dublin, c'est un amour. Guten Tag. Ah ouais, là, il donne envie, mon ref. Oh, non, du kebab, elle fond en bouche, cramé, tu vois, mais pas cramé dans le mauvais sens, cramé dans le bon sens, genre, c'est bon, ça donne du goût, genre. Moi, je vais commencer par le meilleur combo de sauce, harissa mayo. Il y a que les anciens qui peuvent comprendre ça. J'en ai pris beaucoup. Leur sauce blanche, elle est phénoménale. Ouais, elle est super bien consistante. J'aime trop la sauce blanche des coutures. Ah ouais, c'est celui-ci, le fameux pain au four kebab. Franchement, il est bon. Oh là. Bon, je me lance. Il est super bon. Après, franchement, si j'aurais pu faire marche arrière, j'aurais pas pris avec mozza et au four. Parce qu'en fait, la viande est tellement bonne que j'aurais bien voulu le taper en mode classique. Là, je me lance pour la fameuse kefta.
c'est une dinguerie. Elle est même meilleure pour moi que la viande de kebab. La kofta, elle est bien marinée avec la mozza à l'intérieur. Oh, on voit la mozza dépasser. Quel est le meilleur adjectif pour ce que tu viens de ressentir en bouche? Ingrat. Incroyable. Wesh, même ici, le frère, il nous dit on paye pas. Villeneuve, c'est dingue. Villeneuve, c'est dingue. Là, c'est dingue. L'équipe du Zozan, merci beaucoup. Merci voilà, beaucoup, c'était une très très belle rencontre. Merci beaucoup. Et surtout pour le cadeau aussi, ça m'a grave fait plaisir. Merci infiniment. Plaisir aussi. Merci beaucoup. Passez une bonne journée, bon courage. Merci. Salam, les gars. À bientôt. Bah, c'est du matos, c'était filmé avec deux caméras. Comment ça? Eh, hey, mon petit pote. Ils mettent ça sur les poteaux pour éviter que les jeunes, enfin que les gens grimpent et retirent les caméras. Exactement. Ok. Toi, ça te dérange de te faire filmer? Qui? Toi, ça te dérange de te faire filmer? Ouais, moi, ça me dérangerait pas. Ouais, exactement, mon ref. Ouais. Voilà, ça fait plaisir. La Hamdak, mon ref, bien vu. T'es une big star, gros, je t'ai dit. Hey, t'es une big star. On marche, toi, ça nous a arrêté. Hey, tu fais des vlogs, toi. Basse, là, on arrive pour la touche sucrée. Des pancakes, des coffres, des trucs de ouf, des glaces. On est toujours dans la ville. Toi qui regardes cette vidéo, qui est acteur dans ta ville ou juste t'aimes trop ta ville, tu veux la présenter, n'hésite pas à m'envoyer un message. Je le répète, envoie-moi un message et je me ferai un plaisir de faire découvrir ta ville. Et un dernier petit message, abonnez-vous. C'est une star, ce mec, c'est un truc de... C'est lourd. Ah ouais, t'as toutes les glaces présentées comme ça. Par exemple, quand tu manges de la mangue, tu ressens vraiment la mangue. Passe, on va goûter cette fameuse glace. À la mangue. Elle est archi bonne, c'est une glace artisanale. T'as l'impression de manger un fruit givré. Un fruit givré, c'est un... C'est un délire. Younous, est-ce que tu peux nous expliquer le concept, s'il te plaît? Bien sûr. En fait, c'est un concept tout droit venu de Londres. Vas-y, mon honneur. On va dans la sauce. Ouais. Lâche-toi, Younous, mon pote. Ici, on fait des desserts qu'on accompagne de glace. Donc, dans la bouche, ça fait un délire chaud-froid. Ce que les clients aiment bien chez nous, c'est en particulier le cookie. C'est un cookie fondant qu'on accompagne de glace à l'italienne. Younous, s'il te plaît, mets-moi un dessert pour moi, un dessert pour Basse, ce que tu veux. Ne vous inquiétez pas, les gars, je m'occupe de vous. Merci beaucoup, Younous. Hey, t'es timide au début, hein. Ça va à la fin. Oui. Un cookie chocolat au lait et un autre chocolat triple chocolat. En fait, ce qu'il faut savoir, c'est qu'ils mettent des cookies au four. Ils sont fondants et par-dessus, ils mettent la glace. C'est ça, c'est exactement ça. Waouh, oh là là, chocolat au lait avec la glace, là. C'est quelque chose, hein. Le cookie, il est fondant. T'as la glace froide au-dessus. Si, ça change. Là, c'est parfait. Ça change de ouf. Oh là, mais regarde-moi cette glace qui fume avec cette gaufre. Elle est archi bonne. Ce qu'il faut savoir, c'est que c'est une gaufre faite à la commande. Par-dessus, vous mettez du chocolat blanc, puis vous mettez des fraises, puis un coulis de fraises encore et une boule de glace artisanale. Le mélange de tout ça, surtout le mélange chocolat blanc avec fraises, c'est un délice. Passe, franchement, Villeneuve-la-Garenne, 10 sur 10. T'as bien aimé, t'as bien aimé. Franchement, j'ai aimé l'ambiance. Encore, là, t'as rien vu, là, t'as rien vu, là. Parce que là, il pleut. Il n'y a personne dehors. Mais en fait, ce qui m'a touché, c'est que tu étais dégoûté qu'il pleuve. Tu m'as dit, ouais, il n'y aura pas assez de monde, etc. Et en fait, je vois que ça tient à cœur de présenter ta ville. Parce que là, je t'ai mal présenté, là, tu vois. Non, là, j'ai présenté à 30%. Bon, 70%, là, il manque. Purée. Merci à tous d'avoir suivi cet épisode-là. N'hésitez pas à m'envoyer des messages si vous voulez que je passe dans votre ville. Là, c'est le moment de dire à tout le monde qu'on leur donne rendez-vous. À la prochaine. Vidéo. Attends, j'ai coupé. Purée, ça recommence. Et là, je te donne rendez-vous. À la prochaine. Vidéo.